L'équipe de France va tenter de finir en tête de son groupe dans ce mondial féminin organisé dans l'Hexagone. Ce lundi, les Bleus jouent à Rennes face au Nigeria. Après 2 victoires en hauteur de match et une qualification assurée pour les 8e de finale, c'était l'essentiel. Dans le tableau masculin, le coup d'envoi de l'Euro 2019 Espoir a été donné ce dimanche en Italie. L'équipe de France joue son premier match mardi face à l'Angleterre. Du tennis également ce week-end avec 2 très belles victoires françaises ce dimanche. Caroline Garcia s'est imposée dans le tournoi de Nottingham en battant en finale Donna Vekic en 3 manches, 2-6, 7-6, 7-6. Chez les hommes, Adrian Manarino a remporté le premier tournoi de sa carrière en s'imposant à Hertogenbosch face à Jordan Thompson en 2-7, 7-6, 6-3. Enfin, c'est le Danois Jakob Fuglsang qui a gagné le Critérium du Dauphiné 2 ans après son premier succès dans cette épreuve. Thibaut Pinot, le premier français au classement général, est loin derrière. Il termine 5e. Le journal des sports.